Donc là, aujourd'hui, on est le 21 septembre 2013, samedi 21 septembre 2013. Il est 11h21. Je vais appeler le lieu médiatisé pour pouvoir voir mes enfants, tout simplement. Voilà. Donc c'est 05 46. 06 44 57. Donc je répète 05 46 06 44 07. Voilà, c'est parti. Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi. Allô? Oui, pardon, excusez-moi. Oui, je vous téléphone. Ça avait été pour avoir des rendez-vous, pour pouvoir voir mes enfants, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu une démarche par un juge ou pas? Comment? Ah non, mais... Est-ce qu'il y a eu... Oui, mais ça fait, si vous voulez, avant je venais, et puis c'est à cause de mon ex-femme que j'arrive plus à voir mes enfants. C'est-à-dire que si Alors, vous vous êtes voulez, déjà venu à l'espace il y a une rencontre, en fait? décision. Oui, voilà, il y a une décision Et vous êtes monsieur? liénérée. Oui. Alors attendez, ne quittez Pardon. pas. D'accord, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, monsieur Linéret? Oui, c'est moi, c'est bien moi. Oui, c'est madame Maillard à Ah, l'appareil. d'accord. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ma collègue m'a passé la communication parce que je pense que peut-être vous la connaissez pas, c'est quelqu'un qui vient pas souvent. Ah, d'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Donc, bah voilà quoi. Moi, j'aurais voulu voir mes enfants. Donc, j'attends toujours et j'ai toujours rien, quoi. Eh bien oui, je sais, on en a parlé déjà, je ne sais plus quand est-ce que c'est que je vous avais eu au téléphone. Vous m'aviez d'ailleurs donné votre adresse parce que on était toujours sur une adresse ancienne dans le vers Bellac. Hein. On n'avait pas Oui, votre non, nouvelle mais adresse. après Donc je vous l'avais redonné, oui, ça y est, ça fait depuis ça le y mois est. de, oui, mais ça fait depuis le mois de juillet, quoi. Oui, Début c'était cet juillet. été. Donc là on est, ouais, voilà, là on est quand même au mois de septembre, on est le 20 septembre, ça fait 3 mois. Bon, moi, Ouais. voilà, je vais être franc avec vous, là, je vous explique. Là, moi, je reviens de Paris la semaine dernière. Je sais pas si vous avez pu voir, je suis passé en télévision, je suis passé sur France 2 et France 3 pour mes enfants. Oui. Les prochains trucs sont sur Limoges et chez vous. Donc voilà quoi, on va venir. On va venir maintenant. Parce que j'en ai marre. Voilà. Parce que j'en ai un petit peu marre de ne pas voir mes enfants. Donc on va venir avec plein de papas, plein de mamans et tout ça. Et on a l'habitude. Hein. Je veux dire, on vient prendre le Sacré-Cœur et tout ça. Et là, je peux le dire clairement, voilà quoi. On est même sur la cheminée d'ébène et tout ça. Les gendarmes savent très très bien ce qu'on fait. Donc la peur, nous, ça ne fait pas peur. Maintenant, on en a marre que voilà qu'on soit privé de voir nos enfants abusivement, juste pour protéger des criminels qui sont derrière. Et quand je parle de criminels, c'est bien sûr les juges, les procureurs, tout ce qui est avocat et tout ça derrière qui protège ça. Et puis les lieux médiatisés, tout ce qui suit tout, et tout derrière. Les AMO, les voilà. Enfin voilà quoi. Non, parce qu'à un moment donné, non. Franchement, voilà quoi. On fait pas des enfants pour pas les voir. Je pense qu'on s'est compris aussi. Oui.
Non, mais je pense que vous pouvez le comprendre aussi, quoi. On en avait déjà discuté depuis le début. Voilà, Oui. donc je pense quand même que là, on se fout vraiment beaucoup loin. Donc voilà, quoi. Après, d'en discuter, c'est bien, mais moi, ça fait pas voir mes enfants. Je pense pas que ce soit vous, ni les juges qui ont fait mes enfants. C'est bien mon ex-femme et moi qui ont fait les enfants. On est d'accord. Donc en aucun cas, on peut empêcher ou un papa ou une maman de voir ses enfants. Voilà. Donc on va s'en occuper, je vous le dis honnêtement, on va pas tarder à arriver et venir vous voir. Je vais prévoir la D'accord. manif, c'était pas prévu, enfin c'était pas prévu, si c'était prévu, mais je pensais le faire dans un petit peu plus de temps, voilà, et bah, donc je vais le faire assez rapidement, hein, je pense. Voilà. Bah c'est normal, vous comprenez bien, quoi. Donc voilà. Bah oui. Ceci dit, Oui. vos enfants, on avait organisé des visites quand même ici. Hein, Oui, vous devez le dire. Hein. non mais attends, vous aviez préparé des visites, c'est sûr. C'est vous-même après qui avez refusé, enfin pas vous, mais votre directeur, qui est d'ailleurs procureur de, pas procureur, qui est merde, juge, je sais pas quoi là, juge, comment ça s'appelle? Bah aidez-moi. Au prud'homme. Au prud'homme, voilà, c'est ça. Voilà. Donc il est juge au prud'homme. Déjà d'une, bon voilà, quoi, je vois même pas le rapport avec les enfants et tout ça. Enfin bon, c'est vraiment de l'aberration, voilà. Donc moi je vous dis honnêtement, hein, l'action commence à être de plus en plus fort. Je sais pas si vous voyez, on passe de plus en plus en télévision, on est de plus en plus en médias. Je vais être franc avec vous. Là, il y a eu des gros frais qui ont été faits au niveau de mon assos. Je vous explique. Donc je veux dire, non, franchement, là, vous vous rendez pas compte, mais je peux vous assurer que là, maintenant, c'est fini maintenant. Maintenant, là, voilà, quoi. Il m'a fallu du temps. Maintenant, voilà quoi. Vous voyez, moi j'ai préféré qu'on mette 10 000 euros dans une assos que de mettre 10 000 euros dans des avocats où on ne voit pas les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je le dis clairement. Voilà. Donc, voilà quoi. Après, je ne suis pas là pour vous menacer. On s'est toujours bien parlé. Simplement, comprenez que moi, de l'autre côté, il est hors de question que je reste sans mes enfants. Vous vous rendez compte, ça fait. Non, mais je comprends même pas voilà quoi, que personne bouge. La dernière fois qu'on s'était vu, les dernières fois, pardon, qu'on s'était vu, ça rentre au mois de, je crois, si je me souviens bien, septembre, octobre et novembre. Et depuis ce temps-là, je les vois pas. En lieu médiatisé. Avant, ça faisait 3 ans que je les avais pas vus. Oui, je sais, Hein? ça faisait très Bon. longtemps. On est bien Et vous d'accord? avez Et je vous eu rappelle quelques... même, attendez, et je vous rappelle même que quand j'étais venu vous voir, on avait même parlé où j'avais vu mon fils Christophe qui s'était mis à pleurer et qui avait dit qu'en quoi que il ne pouvait pas dire où est-ce qu'il habitait. J'avais pris votre, pas vous, mais votre collègue, qui a dit ah mais moi je peux rien faire et tout ça. Qui d'ailleurs, ça avait été mis sur internet et tout ça, je vous rappelle. Après, un mois après, je suis revenu vous voir, on a parlé sur 2 heures de visite où j'ai fait quand même entre 400 et 500 km aller, donc plus le retour, ça fait 1 000, pour faire rapide, où on a parlé quand même 1 heure et demie ensemble sur les 2 heures de visite de mes enfants. Voilà. Pour au jour d'aujourd'hui, ne pas les revoir. Non, mais attendez, non, stop, je veux dire, voilà, quoi. Et c'est à cause de la maman parce qu'elle vous a menacé, ainsi que votre directeur et tout. Donc moi, je vous le dis ouvertement, ça peut pas continuer. Et ça ne continuera pas. Je vous le dis honnêtement. Voilà. Voilà. Après, c'est pas contre vous que j'en ai, bien sûr. C'est contre la justice et tout ce qui se passe. De toute façon, je vous dis. Voilà. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez eu quelques nouvelles par le biais Mais de non. vos parents, Non, du de vos tout, du enfants? tout, du tout. Et là, c'est Vous bien. êtes Vous pas êtes ennuyeux genre. avec vos Alors, parents? c'est bien ce que vous êtes en train de me dire. C'est bien ce que vous êtes en train de me dire. Je vous explique. Durant l'année, et je peux vous assurer que derrière, il y a beaucoup de gens. Parce que vous savez très très bien comment ça se passe avec moi. Tout est enregistré, que ce soit en vidéo et en audio. On est bien d'accord. Donc là, de l'autre côté, je veux dire, vous vous doutez bien que depuis 7 ans, ou 8 ans, vous voulez me voir, peut-être même 9 ans maintenant. Ouais, ça va faire même 9 ans, putain, ça va vite. 9 ans, il y en a des enregistrements audio, et rien que cette année, je parle en année scolaire. Donc je m'arrête du mois de 7 ans jusqu'au mois de juillet, 1er juillet. Vous savez combien j'ai eu de fois mes enfants au téléphone les dimanches que je les avoir? Non. 3 fois. Et j'ai preuve audio. 3 fois. Personne ne se bouge. On ne sait pas où est-ce qu'elle habite. C'est obligatoire. On est obligé de savoir, avoir au moins un endroit où on doit savoir où sont les enfants. En tant que papa ou maman. Enfin, je pense que vous n'êtes pas idiot, vous le savez très bien. Voilà.
Donc moi, c'est bien beau, les gens parlent, 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 on fait des réunions derrière mon dos, que ce soit service de l'ASE, conseil généraux, les juges et tout ça, on fait des décisions derrière mon dos, tout est fait derrière mon dos. Le problème qu'il y a, c'est que ça bouge pas plus pour mes enfants. Mes enfants sont toujours en danger, et vous le savez très très bien qu'ils sont maltraités, tout ça. Vous le savez très très bien. Donc c'est quand même, quelque part, c'est quand même franchement anormal de laisser... Non, 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 ça je sais pas, ça monsieur, je suis pas sur place, moi je suis pas dans la maison, ça non, ça je suis On en dans. avait discuté. Vous voulez que je vous ressorte les enregistrements dès le début? Ben écoutez, Non, mais voilà, parce peut-être, qu'on oui. en avait parlé ensemble, hein, de ça. On en avait parlé ensemble et vous l'aviez même dit ouvertement. Et je vous rappelle même, je vais encore plus loin, parce que je me rappelle très très bien de ce qu'on a été dit dès le début. Même vous m'avez dit oui, de toute façon, moi j'ai rien contre vous. Simplement, voilà, même le lieu, franchement, il est loin. Normalement, le juge, il devrait au moins faire moitié du chemin pour madame, moitié du chemin Ben pour oui, vous. bien sûr. Vous vous rappelez? Oui, non, mais oui, je vous mens Oui, pas, je me ben rappelle oui, très très bien, oui. ça paraît logique. Oui, bah oui, voilà. Et pourtant, c'est moi qui fais tous les trajets. Moi, je l'ai fait pendant plus de 2 ou 3 ans comme ça pour chercher mes enfants, je n'avais pas mes enfants. Les gendarmes étaient là, enfin, je veux dire, voilà, quoi. C'est aberrant, quoi. Voilà. Après, je suis venu au lieu médiatisé aussi, parce qu'à un moment donné, voilà, quoi, mes enfants, voilà, quoi, me disent, papa, ça se passe vraiment très très mal avec maman. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Voilà. Bon, après, c'est quand même pas normal que ce soit moi qui les voie en prison. Hein, parce que pour moi, le lieu médiatisé, c'est une prison, que c'est la maman qui leur fait du mal. Alors après, vous ne savez pas, vous êtes bien obligé de le savoir, vu que vous habitez autour de chez elle. Vous êtes sur Royan et tout le monde parle. Tout le monde a parlé, je veux dire. Il y a beaucoup de gens, que ce soit pour mon agression, vous savez, par les gendarmes là, qui m'ont violenté. Par la maman qui fait dormir les enfants dans la voiture avec son espace bleu. Les gens qui disent oui, on la voit s'énerver constamment après vos enfants. Bon, et puis déjà d'une, vous le savez très très bien, faites pas non plus imbécile, vous savez très très bien que si elle est partie et qu'elle donne pas son adresse, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. Bah, je veux dire, si elle avait rien à se reprocher, moi je sais pas, moi je sais que si j'ai rien à me reprocher, j'ai les enfants avec moi. Bah, je sais que même si elle va me faire chier, à un moment donné, de toute façon, les juges qui vont être derrière, si je suis moi, je fais mon boulot correctement, les juges vont dire non mais attendez madame, c'est bien beau, monsieur a la garde, ce qui n'est pas le cas, mais je veux dire, si je prends le sens contraire, les juges vont dire mais attendez, il a la garde, donc je veux dire voilà, vous l'attaquez tout le camp, c'est tout ce qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire? Moi jamais je l'ai attaqué, je veux dire. Bien au contraire, quand j'ai eu mes enfants ont dit maman elle dit ça sur toi, elle dit ça sur toi, j'ai toujours été dans le positif. Enfin, je veux dire, voilà, bon, enfin, tout ça, de toute façon, vous le savez très très bien. Vous voyez très très bien comment ça se passe. On a déjà discuté, je vous dis, la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé 1 heure et demie sur 2 heures de visite. Oui, mais pour ce qui est de la maltraitance, vous savez, là, c'est plutôt les. Ça, c'est pas notre. Ben, juste. C'est l'ASE qui s'occupe de ça. Nous, on n'est pas, on voit pas ce qui se passe au quotidien. Hein. Nous, on Oh est là non, mais non, non, c'est trop dans le temps facile, de c'est trop l'accident. facile, c'est trop facile, c'est trop Bah facile. non, Ouais, c'est trop non, facile. monsieur Linéré, non, c'est pas Non, trop c'est trop facile. C'est facile. que il faut Ça, non, non, des. non, 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 c'est trop facile de se faire, d'aller, de faire sur un centre, que ce soit, je vous parle pas que de vous, hein, que ce soit les conseils généraux, que ce soit les lieux médiatisés, que ce soit les juges, les procureurs et tout ça. Voilà. De toute façon, vous êtes tous complices en même temps là-dedans. Moi, je vous le dis en face. Vous devenez tous complices. Parce que vous croyez tous vous soutenir entre les juges, les procureurs, les services de l'ASE, les AMO, les trucs comme ça et tout. Enfin, je veux dire, voilà, les lieux médiatisés et tout. Enfin, je veux dire, vous pensez être soutenu, mais vous êtes soutenu sur rien du tout. Parce que les gens, ils savent ce que tout le monde fait, je veux dire. Quand il y a un enfant qui est Oui, maltraité, bon. attendez, attendez, je me permets juste de vous dire un truc comme ça. Vous êtes sur Royan, on est d'accord. Quand mes enfants sont maltraités, ils étaient maltraités sur Étaules. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils pensaient de votre centre? Oh! Eh ben dis donc, vous devez les voir au lieu médiatisé et le directeur du lieu médiatisé ainsi que la dame et tout ça, ils disent rien. Ils font pas de signalement. Ah ben non, non, c'est pas leur boulot. Ah bon? C'est pas leur boulot. Ils savent ce qui se passe, ils disent rien. C'est tout à fait normal. Les services, Enfin, les monsieur, conseils enfin. généraux, les services de l'ASE, c'est pareil, c'est normal. Tout le monde sait ce Enfin, qui c'est se ce qui passe. se passe. Ouais, non, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Quand, il y a un truc, il y a un truc qui est très simple, que vous ne pouvez pas nier, qu'on soit bien d'accord. Quand l'enfant, vous le voyez triste, et vous le voyez pas bien dans sa tête, quelque part, vous le voyez très très bien. Rien que déjà par Oui, ça. mais ça, Rien c'est que déjà pas par ça. avoir. Mais ça, c'est après, c'est une question d'interprétation. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être triste, même vous. C'est pas forcément que vous êtes maltraité quand vous êtes triste. Non mais bon, non mais de toute façon, on tourne autour du pot parce que vous le savez très très bien, vu que sur Royan, de toute façon, les gens ont parlé, je veux dire. Vous savez quand maintenant, je Vous sors. avez décidé qu'on le savait très bien.
Bon, écoutez, monsieur Liré, vous faites des critiques, pourquoi pas? Et vous, quelles critiques vous faites de vous-même? Quelle critique je fais de moi-même? Oui. Bah, mes critiques, elles sont toutes simples. Je me bats pour mes enfants. Et je me battrai Oui. toujours pour mes enfants. Oui, Voilà. mais Et je veux les sortir. Et est-ce qu'il n'y moi, a pas des attendez. Non, non, choses? mais je me permets. Vous me demandez, je vous réponds. Donc c'est normal. Et je m'énerve pas là-dessus. Et je vous réponds. Et moi, personnellement, vous voyez, je fais des enfants, c'est pour les protéger. D'accord. Donc vous me posez Mais la est-ce question. qu'il y a, à certains moments, vous n'avez pas, comment dire, été pas respectueux ou pas correct par rapport aux engagements qu'on avait ensemble? Comment ça, j'ai pas été respectueux? Je non, du tout. Lors des visites. Du tout. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, dites? Par contre, faites attention à ce que vous dites aussi, c'est pas des menaces, parce que je veux voir ce que vous allez me dire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je veux savoir. Non, mais c'est pas des menaces, mais quand Non, même, non, mais je vous dis. c'était pas Qu'est-ce que j'ai prévu, fait? Où c'était pas prévu que vous sortiez de la pièce pour interpeller la mère. Ça, on n'avait pas prévu ça, Si, 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 on en c'était avait pas parlé prévu comme ensemble. ça. Attendez, on en avait Mais non, parlé monsieur ensemble. Et Liré, là, vous êtes en train de me non. parler des vidéos qui ont été mises sur Internet où la Et il y maman a ça Eh ben là, aussi. donc, vous protégez, vous voyez? C'est ce que je voulais vous faire, Non, on vous voulez vous protège pas faire la dire. maman, mais Donc, on là, veut pas vous êtes être en train de dire. interprète. Non, non, mais attendez. Là, c'est bien Liré, parce que vous venez c'est pas la d'avouer. maman, mais on protège. C'est que nous, on n'a pas envie d'être. Enfin, D'être. voilà, Vous n'avez c'est pas pas envie notre but. d'être expliqué, Mais justement. pourquoi Allez, voilà, parce que vous vous êtes envenu là-dessus. Alors maintenant, je vous écoute. Vous êtes venu là-dessus. Alors, vous me reprochez, grosso modo, d'avoir interpellé la maman pour savoir où est-ce qu'elle habitait. Mais Non, sans c'est violence, pas. on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je n'ai pas été violent, Non, j'ai pas c'est été pas ça. tapé dessus, j'ai pas été agressif. On est bien d'accord. C'est pas ça. Non, Comment? d'accord, mais c'est pas Ah, ça qui était d'accord. Bon, prévu. d'accord. Qu'est-ce qui vous C'est gêne pas là-dedans? qui Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans, c'est pas madame? le contrat, c'est pas Attendez. le Qu'est-ce qui contrat vous que gêne j'ai fait là-dedans? pas Je vous avec demande. vous. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? C'était pas le contrat qui était Non, mais prévu. le contrat, c'est que je voie mes enfants et que j'ai mes enfants avec moi. Le Non, vrai le contrat, il contrat est là. moral de Non, non, prendre non, mais soin des moral. femmes. Eh ben, moral pour un papa et un enfant, c'est de voir son papa ou sa maman. Oui, mais vous n'êtes pas obligé On n'est pas obligé de pour quoi? cela Si, si, on va de être obligé de se foncer dans le tas déplacer. comme On va être ça. obligé de se déplacer. C'est ce que je viens de vous faire comprendre. Ah, mais Parce si que, vous voulez, oui, voilà. mais si vous voulez, mais moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'avez pas été correct avec moi Bien sûr quand que je vous ai si, prêté. bien sûr que si. Vous croyez que c'est correct de m'avoir fait, de m'avoir parlé pendant 1 heure et demie la dernière visite sur 2 heures de visite? Pour juste savoir comment je faisais pour filmer, comment je faisais comment j'avais toutes les infos, vous essayez de me tirer les vers du Mais nez? c'est vous qui avez Mais tout si, mais préparé, moi je si! ne pouvais pas Non, me non, 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 passer. non! Vous voulez que je ressorte un truc? Mais oui, Quand je je me suis arrivé, rappelle. non, mais attendez, moi, je me rappelle très très bien. C'est comme si c'était hier pour moi. Donc, je vous explique. Je me rappelle très très bien. Je suis arrivé sur le lieu. On est d'accord? La première chose que j'ai fait, effectivement, c'est moi qui suis venu vers vous. On est d'accord? Je suis venu vous dire, voilà, je vous explique. Je vais pas vous mettre dans l'embarras. Je vais pas vous prendre en tant que témoin. Simplement, ce que je vais vous dire, c'est que quand la maman viendra chercher les enfants, je vais juste lui poser une question qui est toute simple. Ça va pas, je vous promets. Je n'irai pas l'agresser, je n'irai pas la violenter. De toute façon, j'ai jamais violenté personne, mais c'est pas grave. J'irai pas faire d'histoire et tout. Simplement, je lui demanderai où est-ce qu'elle habite. Elle me répond, c'est bien. Elle me répond pas, c'est pas grave. Je vous demanderai rien de plus. Voilà. Ce que j'ai fait. Après, vous avez dit oui, d'accord, je vais essayer de voir avec la maman. Je vous ai dit non. C'est pas la peine Oui, de mais voir avec la maman. dites-moi. Il faut que ça soit fait. Laissez-moi finir. Il faut que ça soit fait à l'improviste. Ça a duré une demi-heure. Voilà, Oui, non, et mais c'est après, et pas. attendez, et après, je les ai vus peut-être un quart d'heure, voire une demi-heure, voilà, et après on a parlé ensemble. Et c'est là où vous m'avez dit, où la dame, votre collègue, est venue me voir, voilà, pour dire, ah, les enfants s'en vont, voilà, il faut dire au papa qu'il vient de dire au revoir aux enfants, parce que la maman est là. Et votre collègue, après, a dit, oui, mais la maman, je crois qu'elle veut pas trop et tout, voilà, ce que d'ailleurs on entend dans la vidéo, voilà, je vais voir juste la maman, je pose juste la question. Je pense que là-dedans, c'est mon droit tout fondamental. C'est pas vous qui avez fait mes enfants, ce n'est pas un juge, c'est bien moi et la maman. Et en aucun cas, aucun parent peut priver son enfant de voir son papa ou sa maman. Après, vous Oui, mais pouvez le moi, but alors n'était vous me pas parlez de prévu morale. Oui, mais pour attendez, vous me payer parlez la de maman. morale. Attendez, C'est pas laissez-moi finir. prévu, Vous me monsieur. parlez de morale. Vous croyez que ça c'est moral? Que vous, en plus, vous essayez de me comment ça, pas m'intimider, mais me comment ça, me dire, écoutez, quand même, je suis, vous essayez de me mener en bateau là, parce que la vérité, c'est qu'une maman m'empêche de voir les enfants parce qu'elle est protégée par son oncle, hein, Alain Juillet, tout simplement pour ça, et vous avez peur. Alors je comprends que vous avez peur.
Mais c'est pas la peine d'essayer de faire croire qu'en quoi que Mais ça vous c'est moi en... qui ai fait une erreur. C'est pas moi qui ai fait une Mais erreur. vous, elle vous empêchait pas puisqu'elle les a amenés. Mais bien Ce sûr que qu'elle vous voulez m'empêchait pas, pas. c'est que Bien sûr qu'elle ce que vous m'empêchait voulez pas. pas, Bien sûr qu'elle m'empêchait pas. C'est c'est de vous-même, vous rencontrer elle vous a là-bas, menacé. Attends, excusez-moi, elle vous a non. Non, je menacé. suis désolée. Elle vous a Je suis désolée. menacé et vous vous avez empêché après de me voir. Et Mais après, non, vous sous-entendez qu'elle ne m'a pas je suis empêché. désolée. Et vous sous-entendez Je qu'elle ne suis m'a pas désolée. empêché. Mais Je non, suis mais c'est désolée. n'importe quoi. Bon, moi je vous dis, honnêtement, de toute façon, je pense que Madame Taubira va pas tarder à arriver parce qu'on va prendre, d'assaut. Je vous le dis franchement, on va pas tarder à arriver. Voilà, je vous le dis, ce n'est pas contre vous. Voilà, je sais que vous êtes manipulé par cette justice. Voilà, en tout cas, je ne laisserai pas faire les choses, tout simplement. Voilà. Voilà. Et sachez que tout est enregistré en vidéo et en audio, comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà. Voilà. Parce que je trouve ça horrible de voilà, je veux dire, nous tous, on est nombreux papas et nombreuses mamans à ne pas voir nos enfants, et c'est pas normal, je veux dire. En plus, attendez, je vais encore plus loin. En plus, souvent, pour laisser à des procureurs qui font des sectes avec. Et je suis pas fou, hein. Parce que souvent, c'est toujours des francs-maçons et ils font toujours des trucs avec les enfants. Et après, c'est nous qu'on juge. Mais attendez, mais stop, stop, stop. Avant de juger les autres, faut se regarder dans une glace. Voilà, je dis Monsieur simplement Duret, ça. j'ai pas entendu tout à l'heure la réponse parce qu'il y avait du monde qui arrivait là, qui Excusez-moi. rentrait. Qu'est-ce que vous m'avez dit quand je vous ai demandé si vous aviez eu des nouvelles de vos enfants, de comment D'accord. ils allaient? Alors, c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer. Voilà. Donc, non, j'ai pas eu de nouvelles. Je vous dis, je les ai eues 3 fois dans l'année scolaire. C'est-à-dire en 12 mois. Trois Mais par fois. vos parents, est-ce qu'ils vous ont dit comment ils évoluaient, comment ils allaient, etc.? Pardon? Est-ce que vos parents vous ont dit Mais comment mes ils parents, je les allaient? vois. Enfin, je veux dire, vous savez, malheureusement, j'ai un certain âge. Et mes parents, je les vois rarement, quoi, je veux dire. Parce qu'on n'habite pas à côté. Hein. Oui, je sais, mais Bah on oui. peut être en lien, Ouais, mais même si bon, on n'habite c'est pas pas. ensemble. Je veux dire, mes parents, ils le savent. Je suis passé, je vais être franc avec vous, je suis encore passé là dernièrement sur France 2, sur France 3 et tout ça. Bon, d'ailleurs, aux informations, je sais pas si vous avez vu, hein, sur TF1, là, au journal de 20h. Sur les deux, sur le de la housse et tout ça. Bon, j'abrège. Pas vu. Ah, vous n'avez pas fait gaffe, mais c'est pas grave. Ben, je regarde pas toujours, Non, mais c'est c'est tout. pas grave. Enfin, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est une honte. C'est ce que je veux dire, voilà. Non, on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. Et je vous dis, en plus, vous voyez, moi, vous vous rappelez, j'ai été violenté comme ça par des gendarmes en Charente-Maritime, à Étaules. Bon, c'était les gendarmes de la Tremblade et puis de Royan. Bon, donc les gendarmes qui sont autour de chez vous. Donc quand vous me dites que vous n'êtes pas au courant, vous le savez très très bien, vu que c'est vous gendarmes en plus, ainsi que les gendarmes de la Tremblade. Enfin, j'abrège. Bon, vous savez, maintenant, ils ont peut-être commencé un petit peu par des gens comme moi pour m'intimider, mais voilà, ils ont recommencé sur d'autres personnes. Je veux dire, comme Youssef là où dernièrement, ils ont carrément été essayer de le tuer. Ou le mec, je sais pas si vous l'avez vu dans les informations. Je vous explique, je sais pas si vous avez Non. vu sur les journaux. J'ai un papa qui s'appelle Youssef. Qui protégeait un autre papa qui était en haut d'une cheminée, vous savez, d'ébène, dans le 38. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, je vous explique. C'est justement, je suis avec eux. Voilà. Donc, je vous explique ouvertement. Ce papa-là, Youssef, fait des sommations, où on a, bien sûr, audio. Il y a monsieur Mérès, comme ça, l'inspecteur de l'Isère, de la police, commissariat de police et tout ça, qui s'occupe des commissariats, qui essaie de protéger. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que de toute façon, en aucun cas, il devait être présent. Et ils ont essayé de violenter un papa. Donc ils se retrouvent vraiment dans la merde, à cause d'un gros connard, parce que c'était un monsieur qui s'appelait Gérard Nicolas. Non, c'était pas Gérard Nicolas, c'était Nicolas Christian, excusez-moi, voilà, qui est un franc-maçon, qui, voilà, enfin, je veux dire, voilà. Donc, vos francs-maçonneries, vos trucs de franc-maçonnerie, on s'en fout, quoi, je veux dire. Nous, c'est nos enfants qu'on veut voir. On s'en fout complètement qu'on fasse du fric sur nos gamins, quand il n'y a pas encore des enfants derrière. Bon, voilà, bon, il y a une discrimination, ce qui n'est pas déjà normal. Bon, c'est pas grave, ça fait juste séparer, et de toute façon, à la limite, c'est pas grand-chose. Mais quand il y a des enfants au milieu de ça, qu'est-ce que je veux dire, je comprends même pas qu'on puisse laisser faire ça, quoi. Enfin voilà. Bon, enfin, de toute façon, on parle pour rien dire. Enfin voilà. Le principal, c'est voilà quoi, c'est que je voyais mes enfants. Et là, en aucun cas, ça fait déjà 3 mois. Voilà, on s'était eu. Vous m'avez dit, bon, on va essayer de voir et tout. On va essayer de vous faire un rendez-vous et tout. Ça fait 3 mois que j'attends. Et là, vous me dites ouvertement, oui, on en a parlé, mais de toute façon, on n'a pas l'intention que vous les voyez. Bon, voilà. Bah voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux?
Hein? Bon, donc on va se, voilà, on va faire le nécessaire et puis c'est tout. Voilà, voilà. Voilà, Bon. voilà. Bah écoutez, on va vous faire passer quand même l'ancien courrier quand même, puisque vous l'aviez pas eu, et puis on verra, peut-être on aura l'occasion d'en reparler. D'accord. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Donc, par contre, Oui, si vous voulez à vous. m'envoyer, par contre, si vous voulez m'envoyer d'autres courriers, vous pouvez l'envoyer aussi chez mes parents. Je crois que vous avez l'adresse de mes parents. Ils vous l'ont donnée. J'enverrai 129 rue Turgot. Vous pouvez l'envoyer aussi à, je vous dis, 4 route de Bénévent. Vous savez, l'adresse de mes parents. Le même. Ça revient au même. Enfin, Non, autant ça m'adresser revient à pas au vous. même, ça revient pas au même. Parce que moi, j'y suis pas tout le temps chez moi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme ça, moi, j'ai un double là-bas. Et eux, comme ça, s'ils reçoivent quelque chose, ils me préviendront. Voilà. Ah bon, Ouais, parce d'accord. que 129 rue Turgot, c'est devenu mon siège. Enfin, pas mon siège, mais mon Oui, lieu où. d'accord. Voilà. Et Léo Lagrange, là, Bellac, c'est Non, l'adresse de j'y qui? suis plus, plus longtemps. Ah oui, Donc, d'accord, pour c'est vous une dire. mauvaise adresse. Voilà. D'accord, Ouais, je vous le entendu. dis. Voilà. D'accord. Bien, Bon, bah bah, je vous écoutez, souhaite quand même une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine, merci. parce que voilà, on Oui, va pas tarder merci. maintenant. Merci, au revoir. D'accord. Au revoir, monsieur.